Bonjour, je m'appelle Guillaume Osiadax, donc je suis le directeur du centre départemental de plein air du Bas-Saron, école et club de voile, et donc je vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir à Bouchain, au Bas-Saron, pour découvrir nos activités. Depuis 10 ans, on a diversifié nos activités vers du paddle, du kayak, voilà, de la voile en famille. On propose aussi maintenant du tir à l'arc sur certaines sessions. Voilà, l'idée, c'est vraiment de passer d'une base de voile, donc sport de plein air, à sport avec un S en plein air. On vient avec la famille et on vient pratiquer une heure, une activité sous forme de location. Après, on peut faire aussi des stages. Donc là, c'est ce que les jeunes derrière moi sont en train de faire cette semaine. Donc ils sont là sur 5 demi-journées. Ou alors toute l'année, voilà, si on accroche vraiment, de 7 ans jusqu'à pas d'âge, on peut faire de la voile en club et avoir une pratique très régulière tous les samedis. On a pris le parti d'optimiser le temps qu'on avait pour travailler sur notre communication. Donc on a refondu complètement le site internet pour le rendre plus attractif. Notre communication Facebook aussi. Donc là on a eu vraiment des choses qui étaient... voilà, avant c'était des posts qu'on envoyait pour donner des nouvelles. Là on a mis en place une vraie stratégie de communication. On a refait nos flyers, on a mis en place de la vente en ligne. Et puis finalement, oui, on a pu sentir voilà, au travers des commentaires, au travers des partages, au travers des gens qui nous appelaient, qu'il y avait un vrai besoin et ils avaient vraiment envie, après tout ça, de retourner en plein air, de retourner sur l'eau. Depuis le 23 mai, en fait, on a ouvert au public la possibilité de louer tous les jours, voilà, donc que ce soit du kayak, du paddle ou de la voile. Alors là, on est sur des types de voiliers un petit peu instables, voilà, où l'équilibre est très important. Et là, depuis cette année, on a 3 bateaux aussi qui sont inchavirables, insubmersibles. Donc là, on va pouvoir lancer une activité qui est vraiment sécure pour les gens, même si l'eau, c'est pas trop leur élément. Ils peuvent monter dans le bateau, ils tomberont pas dans l'eau, ils peuvent y aller en jean, ils seront pas mouillés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à pérenniser, même après la sortie de crise définitive. Si vous voulez pratiquer une activité de plein air en famille, seul et de façon très agréable, n'hésitez pas à nous rejoindre au Bas-Saron.